ça tourne en boucle comme BFM. T'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER. Ça cap partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources sous le nombre de vues. Pas la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources sous le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges, comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater, il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort. On sera bouffé par l'inflation. Tant doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro. Néanmoins, je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichess Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue, c'est juste mensuel. Les vidéos, c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. J'sais même pas ce que j'débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais. Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça cap partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources sous le nombre de vues. Pas la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources sous le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges, comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater, il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
pris que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, je sais qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. L'idée kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Tant doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je prononcerai Liches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue, c'est juste mensuel, les vidéos, c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. J'sais même pas ce que j'débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais. Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, on les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça cap partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Merci Twitch, la vérité absolue. Messieurs, dames, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Je le dis, vous m'aviez manqué, ça y est. On y est les copains, on se retrouve avec plaisir, avec joie, avec dignité. Pour le juste bistrot. Ah, je sais, vous étiez en manque. Si, si, non, mais c'est une drogue. C'est officiel. C'est une drogue, sauf que celle-là, derrière, normalement, t'as pas de risque de planter ta Peugeot. Voilà, comment ça va, les amis? Est-ce que vous êtes en forme? Ah, quelle joie. Ah, le bonheur. Le bonheur de vous retrouver, le bonheur de tout ce qui s'est passé. Je vais vous raconter, on va parler un petit peu de tout ça. J'ai sillonné les routes de France, voilà, vous le savez, en compagnie de l'ami Stéphane Cuvelier. Et petite surprise, c'est pas fini. Voilà, ça vient de se décider, ça ne s'arrête jamais. L'actualité ne s'arrête jamais. Quelle joie de vous retrouver. J'espère que ça va, que vous avez la banane. On ne s'est pas vu depuis 10 jours. 4 temps Twitch, c'était quoi le dernier? C'était il y a un bout de temps, non? On est où? Attends, regarde, bouge pas. Le dernier, c'était le 16 mai. Ça fait 2 semaines pile poil qu'on ne s'est pas vu. Mais voilà, on va tout de suite corriger ça aujourd'hui. On est de retour.
en fanfare. Hein. Retour en fanfare, bien évidemment. L'actualité ne s'est pas arrêtée pendant ce temps-là. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Mais en même temps, voilà, on est là pour ça, on va parler. Aujourd'hui, je vous raconte un peu mes vacances. Hein. On va pas tout de suite se mettre la rate au courbouillon. On va parler de Dr. Marty. Je vous le dis, c'est le sujet du jour. Quand j'aurai fini de raconter mes vacances, c'est quand j'aurai envie, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Ah, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Mais avant toute chose, voilà. Comment ça va, vous dites dans le chat si vous avez la forme? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà en vacances, là? On y arrive gentiment. Il fait beau, il fait chaud. Ça y est, j'ai pas bronzé d'un sucre, mais je peux vous dire que Dijon, Lyon, Montpellier, hein, il y avait du sunshine. Il y avait du sunshine. On va revenir sur plein de choses parce que c'est vrai que avant les vacances, j'étais un peu malade. Oh merde! J'étais malade où? Oh non, pas terrible. Et du coup, il y avait cette histoire de live privé, je vous en avais parlé, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, mais j'étais au fond du slibard. J'ai dit, je peux pas me présenter comme ça. C'est pas sérieux. Donc, c'est décalé. C'est ce lundi. Voilà, attends, que je te dise pas de bêtises. Voilà. C'est ce lundi 5 juin à 18h. Là, par contre, on déconne plus. Là, par contre, c'est sûr et certain. Je suis rechargé, je peux te dire. À côté, Richard Virenque, il est sain à côté. Ah, je suis plein de balles. Je suis plein de balles. Donc, ce sera le live interdit, voilà, réservé aux membres de la Terre du Juste Milieu, aux inscrits à notre newsletter. Donc, n'hésitez pas, si on en régie, on peut me mettre le lien, si possible. Un petit lien. Ah, je sais que tu n'étais pas sur le coup. T'inquiète. Un lien pour la liste. Là. La Terre du Juste Milieu, voilà, ça arrive, parce que maintenant, de monsieur, depuis qu'il a pris des responsabilités dans le monde de la culture, hein, ça y est, on n'a plus de nouvelles. Donc voilà, que du plaisir. Le lien arrive dans le chat, les amis, vous inquiétez pas, on va rattraper le rythme, on va y aller pleine balle, parce que c'est vrai que ah, y a eu cette histoire de spectacle. Ah ouais, regarde, 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 une photo suffit, une photo suffit, regardez, voilà, cette photo, comme c'était beau, c'était du côté de Montpellier, voilà, avec l'inénarrable Stéphane Cuvelier, l'incroyable Ingrid Courrèges, que j'ai eu la chance de rencontrer là, dans la vraie vie, ça y est, on s'était croisés une fois, mais là, ça y est. Là, on s'est serré la pince, on s'est fait le bisou. C'était magnifique. Énorme plaisir, hein, je peux vous dire. Ah, ah, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Ah, j'ai recommencé. J'ai récidivé, voilà, la première partie de l'ami Stéphane Cuvelier. On en avait parlé assez discrètement, hein, parce que c'est vrai que bah, maintenant, il faut que je vous dise un truc. Je vous raconte et après, je vous dis un truc. Ça reste entre nous. Mais. Voilà, c'était la zizanie. Donc, Stéphane, je vous remonte un petit peu le temps, je vous raconte tout ça. Merci, merci Edouard. Le lien pour vous inscrire, si vous voulez participer au live interdit, ce sera. Le lien est dans le chat. Donc, vous pouvez y aller, vous inscrivez et vous recevrez automatiquement le lien pour accéder à l'émission privée. It's reserved, booked. Donc là, c'est officiel après. Là, il n'y a plus le choix. Hein. Et donc, alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? What happens in the world of showbiz? Alors là, donc je vous dis, j'étais chez BAM Media, je vous raconte l'histoire. Il y a un mois et demi maintenant, quand je suis parti chez nos amis belges, vous vous en rappelez, la vidéo est sortie, il y a même plus que ça d'ailleurs, il y a 2 mois. J'ai croisé l'ami Stéphane, bien évidemment, qui est de là-bas, qui est de Belgique. Donc on s'est vu, on a bien, bien profité. Ah, il y avait profité, profité. On était belle dynamique, belle dynamique. Et là, il me dit, oui, voyez-vous, je passe pas loin de chez toi. Est-ce que tu ramènes ta fraise? Et là, j'ai dit, bon, d'accord. Il n'a pas insisté. Je vous avoue, il n'a pas insisté longtemps. Non. J'ai dit oui. Il n'avait pas posé la question, j'ai dit oui, en fait. Et donc, c'était donc 3 dates à la suite, 2 fois Dijon, puis Lyon. Et au départ, je devais me tirer, événement de famille, enfin bon, bref. Les coulisses du spectacle. Et finalement, non. Finalement, j'y suis pas allé. Donc, on s'est retrouvé à Dijon. Voilà. Heureux comme tout de se revoir. Et il me dit, on était à table. Il me dit, oui, voyez-vous, on parle de la date à Montpellier. Tu vois. Et moi, j'avais vu que j'étais disponible finalement. Je le savais. Et voilà. Et ça s'est fait. Donc, c'était la surprise. Donc, on a fait 4 dates. Hein. On ne s'est pas quitté pendant 5 heures, 5 jours. C'était énormément de plaisir avec l'ami Hugo, que je salue, le régisseur de Stéphane. Et vraiment un plaisir. Voilà. Un plaisir complètement fou. Voilà. On s'est régalé. Putain.
On s'est fendu la gueule. Ah, il est taquin. Il est coquin, le Stéphane. Ah, on a bien rigolé. Aïe, aïe, aïe. On rigolait peut-être plus en dehors de la scène que sur scène. Ah ouais, non, il est. Ah, il s'est passé quelque chose. On peut gentiment parler de connexion humaine. Ah, c'est un bougre. C'est un bougre, moi je vous le dis. Et donc, il y a eu le spectacle, il y a eu des choses chouettes, hein, faut que je vous retrouve. Je vais essayer de vous retrouver quelques jolies photos qu'il y a eu. Hein. Je salue, dites dans le chat, hein, s'il y en a qui étaient présents. Voilà, je salue, c'est que du plaisir. Hein. Après chaque spectacle passé, voilà, une heure et demie avec les gens qui sont là, à se dire bonjour, à se faire la bise, c'est que du plaisir. Ah ouais. Tu vois, c'est l'humain avant tout, quoi. Et ça fait du bien, quoi. Dans un monde où tout va trop vite, tu vois. Là, on a pris le temps d'être humain. Et c'était magnifique. Regarde, regarde comme elles sont belles les photos qu'il y a eu. Voilà, magnifique. Regarde. Voilà, on n'est pas beau là. Toujours du comté de Montpellier. Voilà, main dans la main avec Ingrid et Stéphane. C'est pas beau ça. Derrière l'ami Florian qui gère le théâtre à Montpellier, formidable théâtre, l'Odéon, si vous avez l'occasion. Regarde, il y avait les étincelles, putain. C'est joli, ça. Ça, c'est joli, ça. Ah ouais, non, c'était sympa comme tout. Ingrid qui chante, magnifique. Et voilà, l'ami Lalo sur Facebook, voilà, qu'on embrasse, une dame adorable que j'embrasse. Donc, voilà un petit peu la folie. Je vous filerai un extrait bientôt. Ça reste entre. Il y a moyen que je diffuse un truc. Ah ouais, il y a moyen que je diffuse un extrait du spectacle, là, pour se faire plaisir les copains. Et puis, alors, faut que je vous le dise, parce que bah, c'est ce que j'ai dit, ça y est, là maintenant c'est officiel. Là, je vous le dis, on est entre vous, je compte sur vous, mais là, ça y est, hein, c'est sûr. Le spectacle Juste Milieu va arriver pour la fin de l'année, les amis. Ça va un peu plus vite que prévu, mais c'est le plaisir. C'est le plaisir, donc soyez prêts à partir d'octobre-novembre. Ça y est, là on va commencer à s'organiser sérieusement, à bosser sérieusement. Je peux vous dire que là, voilà, bon, je vous donne rendez-vous fin d'année. Vous aurez toutes les infos, bien évidemment, pour les dates, où est-ce qu'on va être et tout, vous inquiétez pas. Vous serez informés en avance. Mais là, ça y est, là on a décidé d'arrêter les conneries. On y va sérieux, ça va être cocasse, donc. On s'en reparlera, les copains. Donc voilà un petit peu. Hein. C'est vrai que ça fait 2 semaines. J'ai dit j'étais malade. Puis après, je me suis posé et tout. Puis après, plein gaz pour les dates. Je suis rentré à la maison bah, dimanche. Hier, j'ai fait une randonnée. Ça, vous en battez les couilles, mais c'est quand même important, tu vois, de le dire. Et là, ça y est. Retour plein gaz, retour aux affaires. Donc on est à fond la forme. À fond la forme. Hein. Je peux vous dire que. Ah, ouais, là, ça va chier des bulles carrées. Donc là, on va faire au mieux, on va s'organiser, voilà, pour caler les dates, voilà, venir le plus proche de chez vous. On fera au mieux pour contenter tout le monde. Après, il faut trouver les salles, hein. Si vous avez des salles et tout, vous dites, hein. Par exemple, si vous gérez le Stade de France, ça peut arriver, tu vois. On peut avoir quelqu'un dans le chat qui gère le Stade de France. Bah, tu dis, et nous, on vient. Donc voilà, on va faire au mieux, mais je peux vous dire, ça va être cocasse. Ça va être cocasse, les amis, donc vous inquiétez pas, on est au tout début de cette nouvelle aventure. On va s'en reparler bientôt. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà un petit peu de quoi ont été faits mes derniers jours, complètement fous. Hein. Que du plaisir, que des beaux souvenirs. Et on va continuer en se fendant la gueule. Voilà. Donc niveau planning, parce que j'ai vu dans le chat, la nouvelle émission Alerte Générale, vous le savez, avec l'ami Nicolas Vidal et Alexis Poulain, cette fois-ci, ce mois-ci, ce sera à la maison, ce sera sur Juste Milieu. Normalement, c'est vendredi à 18h, mais il faut que je confirme avec les deux oiseaux là. Donc je vous tiens au courant. Vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Pas de problème. Alors, on reprend plein gaz. Ça va être du Twitch toute la semaine. Demain, farce tranquille. Bien sûr. Ah, il y a des choses à se dire. Il y a des choses à se dire. Donc, ça va être cocasse. Alors dans le chat, on a LuxTalula88 qui dit Odéon ou Kawa Café. C'est l'Odéon. Hein. À Montpellier, on a joué au théâtre de l'Odéon. Vraiment chouette. Vraiment sympa comme tout. IMD80, merci. Merci beaucoup les copains. J'ai vu plein de subs. Hein. Merci beaucoup. Ça, c'est génial. Hein. Tu vois, j'ai vu là, il y a IMD80. On a vu qui d'autre? On a vu Nesta74, El Gigantesco, Chibro, qui a offert un sub lui à Mamkafan. On a vu qui? On a vu Tartampion 34, 12e mois. On a vu Neutronlan qui a Subprime, 7e mois. Cécile D qui a Subprime, 4e mois. C'est complètement fou. Matt Le Z également. Les astuces de Claudia, merci beaucoup. Mireille à la 15, Marie, merci. 16 mois, là c'est record. Là c'est record. Julien 54, 620. Fixoulab, merci beaucoup. Les copains, j'espère que j'ai oublié personne dans la liste. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est pas mal.
Donc, mais et Oli Morin 21 et Cathy tout, Cathy, à tout le monde, il y a toute l'équipe, que du plaisir. Voilà, les amis, on se retrouve. Ah, je suis content. Surtout que là maintenant, on ne peut plus reculer. Maintenant, on ne peut plus reculer. Là, ça y est. La direction, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Donc, je suis vraiment content. J'ai hâte, hein, de venir vous rencontrer pour le spectacle. En attendant, et ça va arriver un petit peu plus vite. On en avait parlé, et là, voilà, on va laisser passer gentiment les vacances, on va s'organiser. Mais je réitère l'appel, on fera une vidéo exprès là-dessus pour venir vous rencontrer. Donc, en fait, en amont des spectacles, avant les spectacles, on avait dit, hein, faire des événements entre nous, des apéros, des choses comme ça. Donc, je le redis, j'ai déjà reçu quelques mails, merci beaucoup. Je vais commencer à tous vous répondre pour organiser ça gentiment. Si vous avez des restos, des bars, des petits magasins, des endroits qui pourraient nous accueillir, tu sais, je prends un resto à 30 couverts, par exemple, c'est parfait, où on pourrait se réunir, faire des trucs un petit peu sympatoches, et ben n'hésitez pas à m'envoyer par mail, je vous donne mon adresse mail dans le chat, voilà, on est organisé, c'est ça les États-Unis, et on organise ça, et le but du jeu, c'est de faire, voilà, des petits apéros, des petits moments à nous, sympa comme tout, et puis faire des morceaux de spectacle. Capté en préparation, parce que si vous commencez à me mettre des tomates dans la gueule à ce moment-là, c'est qu'au niveau du projet, faudra qu'on réfléchisse sur la suite. Donc, on va gentiment commencer comme ça, et ça va être un plaisir. Hein. Ça va être un plaisir. Voilà. Cette nouvelle aventure, je peux vous dire, ah, ça va être fou. Ça va être fou. Merci à Agnès B01, magnifique dans le chat qui dit hello, trop bien, merci Rémi, c'était trop bien à Lyon vendredi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Chère Agnès, vous étiez nombreux, c'était fou. Ouais, Lyon, 380 personnes. Montpellier, pareil. Dijon, 180. Ah, c'était chouette. Hein. Voilà. Ouais, franchement, on a bien rigolé. Ouais, c'est cocasse. C'est cocasse. On peut le dire. Donc, voilà. On va remonter toutes les actualités, les amis, parce que vous en doutez, il y a eu de belles choses. Ouais. Ah, tu vois, je baille. J'y pense, je baille. C'est radical. Ah, c'est fou. Ouais. Ça tient à rien. Ça tient vraiment à que dalle. Ah là là là, quel bordel. Merci à CharlesMax48 qui vient de Subprime. C'est le deuxième mois. Merci beaucoup, cher ami. Ah ouais, on a passé une semaine. J'ai essayé de pas trop foutre la tête dans les journaux. Et hier, l'erreur. L'erreur bête. L'erreur bête. Je lis le journal du dimanche. C'est comme quand tu prends un pistolet, que tu regardes, tu vérifies s'il y a une balle dedans. L'erreur. Surtout pas mettre ça devant la tête. Et c'est ce que j'ai fait hier. Ouais. Et du coup, bah, tu sais, moi au départ, vous avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux, j'étais content comme tout, je fais une petite capsule avec mon sweat taché, en mode, bon, bah ça y est, les copains, je suis de retour à la baraque, on se retrouve bientôt. Patatras. Là, je lis le journal du dimanche. Ouais. Je vais vous montrer la petite capsule qui a été mise sur les réseaux. Pour vous résumer l'affaire, on va en reparler juste après. Et vous me direz ce que vous en pensez parce que j'ai comme un doute. Je dubite. Ah là, je dubite. Je dubite un max. J'ai une petite question. Ah, Elisabeth attends, bah Borne. ouais, j'ai encore le son. Ouais, non, mais attends. Hein, ça va pas revenir tout comme ça, la technique. Hein. Déjà que c'est pas folichon en général. Là, il y a une erreur. Bon, bah voilà, on commence sur une erreur. Vous connaissez la maison aussi. Oui, alors, attends, oui, tiens, alors avant ça. Ah, avant ça, il y a Phantom Lord 669 qui en parle et je ne comprends pas cette affaire. Donc là, il me faut votre avis, les amis. Et d'ailleurs, je le redis parce que c'est important, on le fait pas assez. Si vous voulez intervenir en live sur le Discord, n'hésitez pas. Hein. Vous venez sur le Discord juste au milieu et il faut venir dans le salon. Il y a un salon qui s'appelle. Merde, attends, j'arrive. C'est vocal? Salon vocaux. Vous allez dans salon vocaux général. Et on papote, vous passez à la téloche, vous mettez la caméra, pas la caméra, vous faites comme vous voulez. Et on papote, ça c'est important, j'aime bien quand on discute comme ça, là, entre nous et tout, c'est cool. Donc n'hésitez pas, hein. Vous dites juste dans le chat que je puisse savoir que vous avez envie de venir. Et on papote entre nous. Alors cette affaire, Phantom Lord qu'en parle, Paris Match sur le type du Festival de Cannes avec le flic bien perché aussi. Alors il y a une histoire, alors, je vais essayer de résumer, vous me dites. Hein. Si j'ai bon. Donc, attends, il y a une vidéo voilà, qui a été publiée chez l'ami Eric Morillo. On se met la vidéo, puis on en papote. Donnez-moi votre sang, donnez-moi votre sang, monsieur. Donnez-moi votre sang. Non? C'est
Ce monsieur, il vous demande de vous arrêter, de vous arrêter. Non, vous avez compris ? Ce monsieur, il me demande de m'arrêter. Je vous ai demandé de vous arrêter. Alors, on voit l'ami Eric Morillot à la fin. Vous avez vu cette histoire? Alors, le monsieur est Thierry Frémaux, donc le patron du festival de merde. Attends, je suis là. Donc, vous avez vu, on voit l'ami Morillot à la fin. Donc, l'histoire, hein, c'est monsieur Thierry Frémaux, donc le taulier du festival de Cannes, qui s'est apparemment emboucané avec un flic à Cannes. Comme quoi, il y a une histoire de vélo qui l'aurait bousculé, je sais pas quoi. Ça s'est emballé. Alors, l'ami Eric Morillot, qui était là-bas, en a parlé, on en a beaucoup parlé. Je dois vous avouer un truc. Alors, c'est pas du tout, au contraire, je salue le boulot des copains et tout, mais je dois vous avouer quand même que j'en ai rien à branler de cette histoire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je ne comprends pas le drame que c'est en train de devenir. Est-ce que c'est franchement une découverte que des personnalités, des élites, soient au-dessus des lois? Pour une histoire de bousculade, je sais pas quoi. Enfin, il y a des gens qui ont perdu une couille dans les manifs réforme des retraites. Le gars, il est bousculé en vélo. Enfin, c'est pas méchant, mais j'en ai rien à battre, en fait. Au Festival de Cannes, je pense qu'il se passe des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus illicites. Et on fait pas des duplex pour savoir qui a poussé qui, quoi. Donc, je sais pas. Il y a même l'histoire. Alors, il y a Phantom Lord 609 qui dit « Moi, c'est l'article de Paris Match qui m'a fait craquer. » Alors, attends, on va essayer de le trouver ensemble parce que j'en ai même pas entendu parler, mais je vous avoue que quand on voit toutes les histoires de drogue, d'abus sexuels et compagnie qu'il peut y avoir dans ce genre de manifestation, d'événements, enfin, un mec qui a été poussé en vélo, bon, bah, c'est le Festival de Cannes, c'est le patron, mais je m'en branle, mais dans des dimensions. Je comprends que ça ait pu choquer l'ami Morillot, hein, y a aucun problème, hein, et c'est pas du tout contrôlé, bien évidemment. Au contraire, mais je comprends pas l'ampleur de cette affaire. Enfin, l'impunité de ces gens-là est malheureusement est pas une découverte. Enfin, si vraiment le Festival de Cannes était soumis aux lois, ça ferait longtemps que beaucoup d'artistes auraient fini en cellule pour détention de drogue ou d'autres plaisirs du genre. Donc, je suis pas certain de comprendre l'ampleur. Alors, peut-être que je passe à côté de certains autres éléments. Hein. Pour ça, je veux pas trop m'emballer non plus. Mais je vous avoue que j'ai pas capté là. J'ai pas capté le truc. Salut mon Antoine, je vois dans le chat, hein, pas de problème Antoine, de l'Alliance Humaine, je pense à toi, pas de problème, faut que je t'écrive, j'ai la carte, t'inquiète pas, je t'écris, j'ai vu ton message Twitter, t'inquiète pas, je reprends du service aujourd'hui, donc là je suis un peu, comme dirait le petit Grégory, je suis un peu sous l'eau, donc ça balance. Alors je suis sur Paris Match, je le trouve pas par contre le bazar. Voilà, ils font des trucs, c'est ouais, l'Ukraine aussi, ils parlent de l'Ukraine. Carla Bruni, ça c'est bien. Je le trouve pas, c'est dans le Paris Match du 25 mai ou pas? Parce que... Alors si, première nouvelle, Sonia Mabrouk sortirait avec Pascal Obispo. Ouais. On s'en sire, mais je vous le dis. Si vous n'aimez pas la presse people, vous le dites. Voilà, plus de stars sur la croisette. Ouais. Il y avait les stars. Bon, bah c'est bien, hein. C'est bien. Ouais. C'est vrai qu'on s'en branle quand même. Ouais, non. Non, il n'y a pas l'air d'avoir l'histoire Frémo, mais en même temps, on s'en branle. Donc ouais, non, non. Je vous avoue que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre l'histoire. Franchement.
Dites dans le chat, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, je comprends même pas le drama que c'est en train de prendre, quoi. Je comprends. Et c'est quoi cette histoire de Paris Match? Du coup, il y a mon Bapcom5 qui dit Rémi, c'était en ligne et ça a été supprimé. Mais c'était quoi le bail? Il révélait des trucs en plus? C'était quoi? J'ai rien suivi. Absolument rien suivi. Mais alors attends, page 73, on me dit. J'y retourne. Oui, mais je comprends même pas. Alors, il y a qui dit l'histoire de. C'est juste marrant de voir le DG d'un festival qui galvaude la diversité pointer son doigt sur un jeune policier noir en le menaçant de perdre son emploi. Mais enfin, ça, je suis pas sûr que ça ait à voir directement, ça. Enfin, on s'en fout d'ailleurs que. Je sais pas. Non, page 73, j'ai rien là. 73, c'est là. Attends. Et là, ils sont censés en parler, c'est ça? Ah oui, alors attends, il y a un extrait là. Alors attends, bouge pas, on va le lire. Alors, il y a un passage sur Thierry Frémaux. Je vous le lis, je ne sais pas du tout, je découvre avec vous. Marc Missonnier, lui, ne décolère pas, persuadé que Thierry Frémaux l'a déclaré persona non grata à vie, à tort, puisqu'il vient effectivement de récupérer le fameux sésame. De même qu'il ne se serait sans doute pas lancé dans une telle croisade si le consentement qu'il a financé, adaptation du roman de Vanessa Springora, avait été sélectionné. D'autant qu'il ne s'est pas attaqué à n'importe qui, qu'il demande donc au policier municipal qui, dans un excès de zèle, a interpellé Thierry Frémaux parce qu'il faisait du vélo, un modèle électrique offert par BMW, partenaire officiel du festival, sur le trottoir du Carlton. Une vidéo circulant sur les réseaux montre l'agent bousculant sans ménagement et sans raison le délégué général. Inutile de préciser que le maire de Cannes, David Lisnard, a passé un savon à l'agent. D'autant que Thierry Frémaux, cycliste dans l'âme, montrait le bon exemple. Oui, alors bon, franchement, que la presse, et notamment Paris Match, pratique la fellation sur papier glacé à des gens de pouvoir, est-ce que franchement, ça étonne quelqu'un? Je suis pas sûr que là, dans le public aujourd'hui, ouais, et en fait. Le jour où Paris Match sera un brûlot anarchiste, sincèrement, moi, je serai champion de France de pole dance. Hein. Donc, on a de la route. Hein. Ouais, bon, c'est vrai qu'on s'en branle. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce constat. Non, mais enfin, même, c'est l'inverse de ce qui s'est passé, honnêtement. Hein, quelles que soient les versions, on s'en fout. Moi. Enfin, bref, on s'en fout. Du coup, on va aller chez Elisabeth Borne. Hein. On s'en fout aussi un peu, mais finalement, on est un peu dans le même délire parce que sur le côté capacité des médias à faire croire n'importe quoi quand ils le veulent bien, on va être dans le même registre. Mais je trouve ça un peu plus intéressant parce que la meuf est première ministre. C'est pas une cagole qui gère un festival de dégénérés tous les ans sur la croisette, si vous voulez. Il y a quand même une différence d'intérêt, je trouve, pour les citoyens français. Je vous mets la petite capsule que j'ai faite hier, donc c'est de l'autopromotion. Donc là, vraiment, on est sur, voilà, en termes de souplesse au niveau des reins. Donc, regardez le résumé de cette histoire. J'ai une petite question. Elisabeth Borne était l'invitée ce dimanche 28 mai 2023 de l'émission Les Enfants de la République sur Radio J à 8h45. Voilà. Ça, c'est le poste sur le compte officiel d'Elisabeth Borne. Il y a eu notamment cet extrait dans l'émission. Est-ce que vous voyez dans le Rassemblement national un parti républicain ou est-ce que vous y voyez toujours le parti héritier de Pétain? Vous savez, moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je pense continuer à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain? Oui, également, Éric Pétrin. Marine Le Pen, pareil. Voilà, donc tu vois, le journaliste, bon, la cuisine un peu, il veut sa réponse, il veut sa réponse. Alors, la curiosité, ce que vous venez de voir a eu lieu à 8h45 le 28 mai, et on peut lire dans le journal du dimanche qui est sorti le 28 mai, ben, le matin, hein, quand ça arrive en kiosque, tu sais, quand ça ouvre, on peut lire Borne, le RN et Pétain, le Rassemblement national et l'héritier de Pétain, souligne Elisabeth Borne sur Radio J ce dimanche. Bon, elle l'a jamais dit, mais déjà, c'est le premier truc, tu vois, t'arrêtes pas là, parce que sinon tu vas t'énerver. Je pose une question, j'en sais rien. Donc là, je fais appel au fact-checker de savoir comment c'est possible en fait. Parce que comment un journal qui sort le dimanche matin
peut relater des propos tenus dans une émission qui a lieu le dimanche matin. Alors, je sais que je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, ça peut être une rediff, des trucs comme ça et tout. Mais pour les auditeurs, bah, tu sais, c'est la nouveauté, c'est dans les conditions du direct, comme on dit. Donc, là, j'avoue, je sèche. Hein. Là, je veux bien un petit coup de main, parce que le truc, c'est que forcément, ces déclarations ont fait le buzz derrière, tout le monde a réagi, mais si la presse commence à sortir des éléments qui n'ont pas été tenus dans les médias, juste pour monter l'affaire en mayonnaise, on n'est pas sorti du sable. Hein. Voilà, donc excellente vidéo s'il en est, hein, que vous venez de voir. Vous pouvez remettre vos sous-vêtements. C'est vrai que c'est... Voilà, on est un peu dans la même dynamique de cette capacité des médias à créer des affaires. Et là, je vous avoue que ça m'a un peu étonné. Parce que c'est vrai que, bon, le journal du dimanche qui sort le dimanche matin, t'as des propos de la meuf qui est en train de parler quasiment au moment où je suis en train de le lire. Comment est-ce donc possible? Et d'ailleurs, le journal relate des propos qu'Elisabeth Borne ne tient pas. Parce que c'est le journaliste, dont Frédéric Aziza, hein, bien connu, qui déboule et qui lui dit oh, quand même héritier du maréchal Pétain. Elle se faufile comme une anguille. Et après, elle te dit l'autre, il continue ouais, mais maréchal Pétain, quand même. Ouais. Comme ça, il a sa réponse. Mais je veux dire, enfin, c'est ridicule. Mais ce qui est très intéressant, c'est que soyez prudents, les copains, même sur la chronologie des informations. C'est que là, on a, à mon avis, alors qu'on soit bien d'accord, j'ai pas la preuve formelle. Hein. Mais je pense franchement qu'on est face à un élément de langage du gouvernement qui a été transmis à certains organes de presse et qui a été diffusé comme ça. C'est impossible, même si l'émission a été enregistrée plus tôt, que c'était pas en direct, je veux bien. Mais c'est pas sérieux que le journal du dimanche relate des propos sur une émission qui n'a pas été diffusée. C'est pas concevable, en fait. Donc, curieuse affaire une fois de plus, mais que du plaisir. Alors, il y a Esprit Critique qui dit « Rémi, tu as vu l'information selon laquelle l'Ukraine serait soupçonnée du sabotage Nord Stream Est-ce que c'est l'histoire de, je crois, du journal allemand qui avait révélé ça? Mais je vous avoue que si je devais faire un pari, je serais toujours sur l'histoire révélée par Simon Hersh, c'est-à-dire bah, un coup des services secrets américains. Hein, sans grande surprise, d'ailleurs, serait-on tenté de dire. Mais non, je... L'Ukraine, on est d'accord que... j'ai l'impression qu'il y a du lâchage en ce moment. Sans transition, hein, on passe sur un autre sujet, mais j'ai vraiment l'impression que l'Occident est en train de lâcher gentiment l'Ukraine, parce que bah, ça part en couille, hein, forcément. Regardez, il n'y a eu aucune transition, mais on parle là-dessus, c'est pas grave. J'ai du gaz, donc là, on y va. Regardez, par exemple, la bataille à Bakhmout, hein, vous avez suivi ça, qui était une ville qui devait être un tournant de la guerre avec avec l'Ukraine, qui allait réussir à garder cette ville, parce que c'était le point stratégique, et que si Bakhmout tombait, l'Ukraine allait tomber. Bakhmout est tombé, on nous a dit non, mais en fait, laissez tomber, c'est plus ou moins l'équivalent de la Garenne Colombe. Bon, alors oui, il y a un parking, il y a un kebab, il y a un tabac presse, mais c'est pas insupportable. Et donc, en fait, on voit que le narratif se pète la gueule, ça n'a plus aucun sens. Merci à LaFave72 qui vient de sub, merci beaucoup. Donc, ça c'est en train de se péter la gueule. Même LCI est en train d'émettre des critiques. Là, c'est officiel. Ouais. Quand Gérard Depardieu trouve que tu n'es pas assez rapide sur un 100 mètres, il va falloir se mettre au pas chassé. Parce que, regardez, hein, c'était une séquence celle-ci qui a été diffusée il y a quelques jours. Je ne peux pas vous dire la date exacte, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est du récent. En Ukraine, eh bien, ces oligarques ukrainiens ont posé leurs valises dans le sud de la France, dans nos luxueuses villas, et ils sont surnommé le bataillon de Monaco. Alors, ils ne sont pas forcément installés à Monaco. Hein. C'est un surnom, un symbole de la richesse. Mathieu Carman, bonjour. Bonjour, Marie. Vous nous avez rejoint. Racontez-nous cette échappée des oligarques ukrainiens. Oui, la Côte d'Azur, Cannes, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Mougins, Monaco, ces belles villas, la Méditerranée, un temps idyllique quasiment toute l'année, prisée, on le sait, depuis longtemps par les oligarques russes et depuis plusieurs mois, plusieurs années, et particulièrement depuis le 24 février 2022
et le début de la guerre, la Côte d'Azur est très recherchée par les riches ukrainiens. Ils sont des dizaines à avoir fui le pays, donc, pour trouver refuge dans le sud de la France, dans ces villes-là que l'on voit là, avec piscines pour la plupart cachées, éloignées des regards indiscrets. Vous l'avez dit, les médias ukrainiens les surnomment le bataillon Monaco. Ce sont donc des Ukrainiens âgés de 18 à 60 ans, en âge de combattre, et qui désormais vivent donc en France. Ce sont en majorité des millionnaires et des milliardaires. Certains sont domiciliés à Monaco, mais la majorité l'est donc sur la Côte d'Azur, et ils seraient 84 dans le viseur des autorités de Kiev, car désormais, si vous vous baladez justement sur la Côte d'Azur, à Monaco, à Cannes, à Nice ou ailleurs, eh bien vous pourrez voir ceci, des voitures justement immatriculées en Ukraine. Certaines peuvent aller jusqu'à 600 000, 1 million d'euros, et vous pourrez voir également ceci, vous allez voir apparaître dans quelques instants, des yachts domiciliés en Ukraine et qui maintenant sont donc dans la mer Méditerranée. Tout cela, évidemment, avec ces villes-là somptueuses. Et Mathieu, le nom, les visages même de ces propriétaires ont fuité dans la presse. Oui, trois exemples à vous montrer aujourd'hui. Les premiers, Yor et Grigory Surkis. Ils, ce sont des personnalités du monde du football ukrainien. L'un est président de la Ligue de football ukrainienne. L'autre, président du Dynamo de Kiev. Ils sont importateurs d'alcool et de tabac et ils ont quitté le pays au début de la guerre. Et ils louent désormais une suite dans le très célèbre Monte Carlo Bay Hotel pour 2 millions d'euros. La tuile. La tuile. Parce que jusqu'à présent, c'était, tu sais, le récit BHL. L'Ukrainien avec un U majuscule est par nature un soldat qui veut sauver son pays. Ils avaient dit. Ils avaient dit, c'était par nature, tu vois. Et là, c'est la tuilasse. Là, c'est la tuilasse parce que, bah, apparemment, en temps de guerre, le riche n'a que la patrie de l'argent, si tu veux. Et là, apparemment, t'as des riches ukrainiens dont l'argent pourrait servir à leur pays, hein, qui sont à Monaco. Les putes, le champagne, les apéricubes, enfin, je sais pas comment ils dépensent l'argent, mais c'est vrai que c'est fou parce que on te dit, toi, tu vas chez H&M, on te dit, il y a 50 centimes pour les Ukrainiens. Ah bon, mais pourquoi? Parce que j'ai pris un 42 ou... Non, non, c'est la fraternité. T'es pro-russe ou pas? Non, non. D'accord, bah je vais prendre des chaussettes avec, du coup. Et là les oligarques ukrainiens, non. Déjà, ils disent oligarques, donc déjà, c'est pas bon signe. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait que des oligarques en Russie. Donc, plus ou moins des assistants de Voldemort, en fait. Et là, attention. Là, attention. Donc, non, non, il y a Nelsama Zeroïd, calme-toi. Oh tranquille, qui dit comme quoi on ne vit pas dans le même monde, et tu es étonné, Rémi. Il y a deux points d'interrogation. Donc on sent quand même un peu d'énervement. Les riches français feront pareil aussi, bien évidemment. Non mais ça va, je suis pas né de la dernière pluie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je vous disais juste avant que le narratif est en train de péter, ça passe aussi par là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait l'histoire de... Et qui doit se vérifier dans bien des cas, qu'on soit bien d'accord. Mais on avait ce discours médiatique tout bidon qui tentait de nous faire croire que tous les Ukrainiens étaient par nature des héros résistants. Apparemment pas, en fait. Et c'est vrai qu'on retrouve cette cruelle dynamique qu'on voit à travers de nombreux épisodes de notre histoire, à savoir que, tôt ou tard, quand résonnent les canons, les riches n'ont qu'une seule patrie qui n'est pas celle de leur drapeau. C'est qu'au bout d'un moment, tu prends ta diligence, tu prends ton yacht, tu prends tes chevaux, on décale. Et là, c'est la tuile. C'est pour ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau du narratif. Et LCI, jusqu'à présent, c'était Gilbert Montagnier aux fléchettes. Hein. Quand il s'agissait de pointer du doigt les petits problèmes qu'il y avait en Ukraine, ils étaient comme ça. Hein ? Le football, Guingamp. Un nouvel attaquant. Vraiment, ils n'étaient pas du tout dans le truc. C'était pas le machin. Et il y a eu une autre séquence, hein, pareil. Alors, là, je la trouve sur Twitter. Je peux pas vous dire là encore exactement. C'était du récent, celle qu'on vient de voir, parce qu'il parle de la Palme d'Or, donc c'était ce week-end. Mais il y en avait une autre. Les luxueuses villas de Zelensky. Ouais. Même sur Zelensky, regarde, il commence à taquiner. Volodymyr Zelensky aurait tout simplement détourné des sommes colossales de l'aide occidentale et il se serait constitué un patrimoine immobilier rutilant. Voyons de quoi il s'agit. Faisons la contre-enquête. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel.
Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelles sont ces accusations et qui les porte ? Eh bien tout est parti d'un internaute allemand, pas connu, avec très peu d'abonnés. Il publie la semaine dernière une vidéo largement partagée et repartagée en Russie. Mais pas que, on l'a retrouvée également sur des comptes, sur les réseaux sociaux français. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien d'un soi-disant patrimoine immobilier caché de Volodymyr Zelensky, qui aurait détourné l'argent occidental destiné à l'Ukraine pour l'aider dans sa guerre. Écoutez la vidéo. Wofür gibt Zelensky sein Geld aus? Schauen Sie, Zelenskys Schloss in Livatia, Krim. Der Preis beträgt 25 Millionen Dollar. Eine Villa in Forte dei Marmi, Italien, Preis 20 Millionen Euro. Vor kurzem kaufte er eine Villa in England. Preis nur 27 Millionen Pfund. Woher stammt das Geld? Die CIA sagt, dass Zelensky 400 Millionen Dollar veruntreut hat, die von den USA und der EU für den Kauf von Treibstoff für die Ukraine im letzten Jahr bereitgestellt worden waren. Vous avez bien entendu, Volodymyr Zelensky aurait acheté pendant la guerre en Ukraine trois villas de luxe, une en Crimée, 23 millions d'euros, vous l'avez entendu, celle-ci également en Italie, 20 millions d'euros, et une dernière en Angleterre, 31 millions d'euros, le tout en détournant 400 millions de dollars d'aides venues des États-Unis, une somme qui devait initialement servir à l'Ukraine pour qu'elle achète du carburant pour ses véhicules de combat. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 caramba. David Pujadas serait-il un pro-Poutine dernier degré ? 400 millions d'euros détournés sur l'aide, l'argent américain notamment, qui était destiné à acheter du pétrole. C'est fou parce que Simon Hersh l'avait révélé aussi, il y a environ un mois, un peu moins d'un mois, et là on avait dit complotine. Ouais. C'est pas évident parce que là, si LCI devient complotiste... Les non-complotistes vont devenir une denrée rare. Hein. Et c'est vrai que... Là, ça devient curieux. Hein. Dans un magasin vegan, t'as rarement des côtes de bœuf. Hein. Et là, là, c'est chaud. Hein. Moi, j'ai hâte de voir Rudy Reichstadt monter au créneau contre Pujadas. Hein. Alors déjà, on va avoir un bon combat de coq, parce que c'est vrai que les deux, c'est quand même des épaules de serpent. Mais... Quelle surprise! Là, c'est le jeu d'acteur qui doit faire la différence. T'as la Rima Abdulmalak au Molière. Quoi? Qu'entends-je? Quis-je? L'argent détourné? Oh! C'est... Dis-moi pas que c'est pas vrai! T'as reconnu? Enfin, bon, du coup, t'as reconnu avec un seul bras. Ouais, non, c'est la tuilasse. Hein. Alors, c'est vrai, il y a Yomu1998 qui le dit dans le chat. Mais ça doit être un complotiste. Qui dit Zelensky est déjà dans les Pandora Papers. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Même Le Monde l'avait dit. Donc là, quand t'as le tampon Le Monde, la tape sur le cul, elle est roulée jeunesse. Et c'est vrai, ils avaient dit Le Monde. Hein. Ils avaient dit, et son nom était dans l'affaire des Pandora Papers. Vous savez, c'est l'histoire de pognon qui avait été détournée. Et à ce moment-là, Zelensky, c'était pas encore Churchill. Enfin, ils avaient pas encore dit c'est pareil, en fait. Et donc, ils te disaient, bon, c'est plus ou moins un comédien moyen qui est devenu président. Enfin, qui gère son pays, tu vois. Donc, ils pouvaient encore lui taper dessus. Mais depuis, ils ont dit c'est Churchill. Enfin, c'est un croisement entre Churchill, Napoléon et Gad Elmaleh. C'est un cocktail, quand tu le vois sur la carte, tu dis tiens, je vais peut-être plutôt prendre un gin tonic finalement. Mais là, maintenant, ils ont dit. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'apparemment, c'est encore un enculé. Je sais pas. Ils ne le formulent pas en ces termes parce qu'ils ont fait des études de journalisme. Mais. Merci à Baobet qui vient de sub, quatrième mois, ça c'est gentil. C'est tendu. Hein. Là, c'est tendu parce que si LCI commence à taquiner du goujon, moi, je sais, là, je sais plus trop quoi vous dire. Moi, depuis que je me suis fait taper sur la gueule par Conspiracy Watch, je fais attention. Hein. C'est normal. Hein. Je fais attention à la vérité. Hein. Je me suis fait rappeler à l'ordre. Là, c'est LCI. Donc, moi, LCI, j'ai confiance. C'est quand même eux qui avaient annoncé aussi hein, le missile cheminé, par exemple. Voilà. Donc là, faut, voilà, on est sur des gens sérieux. Et 400 millions d'euros, ouais. Détournés sur le carburant. Parce qu'au départ, tu sais, c'était un peu pour son peuple, son armée et tout. T'sais. Ouais. Je sais pas trop quoi vous dire parce que si c'était pas si grave, honnêtement, on en rirait.
Parce que là, tu as un côté hot shot. Tu sais, les films parodiques, là. Y a-t-il un pilote dans l'avion et tout ça. Tu as un côté parodique. Tu dis, bon, ok, en fait, Zelensky, depuis le début, on voit que c'est un guignol. On va arrêter de faire semblant. On voit que c'est une pompe à vélo. Il ressemble à rien. Il a l'air cocaïné jusqu'à la moelle. Non. Tu confies pas les rênes du pays à Titov. Je l'aime beaucoup, mais non. En fait, tu le vois factuellement, tu vois. Ça va pas. Churchill, De Gaulle, Roosevelt, Zelensky, chercher l'erreur. C'est comme si je te dis Zidane, Ronaldinho, Messi, Stephen Hawking. Tu prends qui pour mettre un triplé? Mais ben voilà, tu prends pas Stephen Hawking. Ben là, c'est pareil, tu prends pas Zelensky. Mais c'est vrai qu'il y a 20K91 qui le pointe du doigt, et je remercie la sagacité de ta remarque. Et du coup, on arrête de donner de l'argent ou pas? De lui prêter nos avions, on continue quand même? Ben apparemment, on continue. Après, vous faites votre avis. Mais c'est vrai que c'est pas logique. Le mec, on commence à avoir des preuves sérieuses, dénoncées par LCI que c'est un escroc, mais on va quand même continuer à donner des avions, ton slip et tes biscottes Eudebert. Après, je sais pas. Je peux pas vous dire, moi, après. Moi, je vous lis l'actualité, vous vous débrouillez. D'ailleurs, on va aller sur le gros sujet du jour. On reparlera d'autres choses. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui parlait du passage de Laurent Alexandre chez Pascal Pro. On va en reparler. J'aimerais aussi, dans la semaine, je vous dis un petit peu le programme, faire un react. Parce que maintenant, on le fait. Apparemment, ça vous a bien plu. Vous étiez nombreux. On va s'écouter l'émission de Jacques Attali chez Berkoff. C'était il y a 10 jours, 10-15 jours environ. Je suis très curieux de savoir ce qu'il s'est dit. Je ne l'ai pas encore vu, donc je vais vraiment le découvrir avec vous. On va se regarder ça en direct. Et on va le croiser un petit peu avec le livre de Claude Schwab que là je suis en train de bouquiner en ce moment. Il y aura une émission exprès là-dessus parce que je sens que je vais... Il y en a certains qui vont me gronder, mais je vais me défendre parce que j'aime bien ce livre. Vous allez comprendre pourquoi. Vous énervez pas tout de suite, calmez-vous, cliquez pas sur se désabonner, tranquille, j'expliquerai. Donc on va regarder l'affaire Laurent Alexandre. Si on ne le regarde pas aujourd'hui, la FAB 72, c'est toi qui as demandé, et tu me le rappelles demain, on se le fera demain. Demain, il y a du juste bistrot. Voilà les copains, donc on va regarder ça, j'aimerais le faire. Le React Nathalie, à mon avis, sera jeudi, je pense. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Voilà, donc on va se faire ça, et alors là, on va aller sur le gros sujet du jour. Aïe, qu'est-ce qui s'est encore passé? Ah, la tuile. La tuile, c'est terrible. Il y a eu... je ne sais pas par quel bout le prendre. J'ai l'impression d'être dans un gangbang. Docteur Marty. Vous voyez qui c'est. Le croisement entre Bourville, Fernandel et Docteur Maboule. Voilà. Et là, la tuile. Il était dans les grandes gueules aujourd'hui. Bon, c'est vrai que le titre est quand même plutôt bien désigné. Il était dans les grandes gueules et il y a une dame qui a appelé parce qu'en fait l'idée des grandes gueules c'est de parler avec le vrai peuple, c'est celui qui a un accent, celui qui dit des gros mots, celui qu'on n'entend pas ailleurs. Donc au départ c'est assez louable, tu vois. Au départ moi ça me fait plaisir. Et c'est vrai que le problème c'est que les gens là c'est les grandes gueules, donc ils sont pas que sur le plateau avec leur costume cravate. T'as des gens qui sont pas contents. Et là en l'occurrence ils étaient au téléphone avec Chantal. Chantal, elle est retraitée. Et comme vous allez l'entendre, elle en a gros sur la patate. To have Bing under the potatoes. Je commence à traduire parce que là, c'est le showbiz maintenant. Je m'adresse à l'international. C'est fini l'Auvergne maintenant. Et donc, et la dame, vous allez voir en plus ce qu'elle raconte est pas drôle. Et on va découper la séquence. J'ai le passage en entier, 7 minutes. On va se regarder ça. On fait vraiment une belle séquence aujourd'hui sur le docteur Marty. Et donc la dame, voilà, elle en a gros sur la patate. Et déjà, il commence par se foutre de sa gueule, hein, sur le plateau. Ouais, je vous mets la séquence, on va la découper, on va regarder les 3-4 premières minutes, c'est là que tout se passe. C'est pas Jojo, vous allez voir. À la science infuse. Des erreurs, non. Tous les médecins en font. Je suis la preuve vivante. Hein. Malheureusement, mon mari n'a pas survécu à la bêtise de certains médecins. Hein, suite à des diagnostics, etc. Mais voilà. Pour moi, je vais vous dire sincèrement. Le professeur Raoult a sauvé la vie d'une vingtaine de personnes, une famille entière, avec l'hydroxychloroquine. Je dis bien parce que j'ai été témoin de très près. Toute la famille a attrapé ça, ils sont allés à l'institut, se sont fait soigner, ils ont été guéris. Ils n'ont plus jamais attrapé le Covid. Maintenant, moi, quand j'ai
d'attraper le Donc déjà, voilà, tu vois, là, tu as ce petit rire. Le petit sarcasme, on va se la découper. Il y a un côté analyse, palette, Canal Football Club. On va s'analyser la séquence. Donc la dame, voilà, elle perd son mari. Donc on peut comprendre qu'elle ne soit pas super détente, tu vois. Et là, elle s'adresse à Dr Marty, hein. Il faut quand même le rappeler. On se fait une spéciale. Je vous dis, là, il y a une séquence de 15-20 minutes sur lui parce que je sais que j'avais manqué de mordant au match aller. Je compte bien ce qu'il y ait un match retour, quand même. On va pas se mentir non plus. Il faut quand même se rappeler cela, hein, sur le monsieur, qui au départ est médecin généraliste, et on lui envoie tout notre respect pour ce métier, mais qui s'est mué plus ou moins en prix Nobel, c'est-à-dire au cours de la crise Covid-19. On ne sait pas pourquoi lui et d'autres têtes se sont imposées dans les médias. Je pense par exemple à Antoine Flahault. Retenez bien ce nom, il y a une vidéo qui arrive bientôt. Ah, je vais me le farcir. Alors, avec respect et dignité, toujours, parce que c'est quelqu'un de sérieux, mais on va peut-être se dire au revoir, Flahault. Hein. Donc, rappelez-vous, Dr Marty, c'était quand même l'auteur de cela. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Le ralenti. Alors, celle-là, on s'en rappelle. C'est-à-dire, si tu prends, en fait, lui, il a été vacciné depuis 2 semaines, lui, depuis 3 semaines, et lui, depuis 5 semaines, en fait, ça veut dire que tu as 10 semaines de recul. Parce que tu peux cumuler, en fait. Ouais. De toute façon, personne ne lui a dit quelque chose. Julien Pain, par exemple, il n'a rien dit à ce moment-là. Donc, c'est que c'est la vérité. Et bon, alors, là encore, hein, je veux bien peut-être primum non serré me rétorquerait que j'ai pas prêté le serment. Hein. Mais bon, hein, comme quoi. Et là, c'est vrai que la science, tu te dis, effectivement, après tout, boire de l'eau de Javel, par exemple, je sais pas, tu bois 1 litre d'eau de Javel, t'en as un qui va mourir au bout d'une heure, un au bout de 2 heures, un au bout de 7 heures, tu vois. Ben, Dr Marty, il appelle ça du recul sur les effets secondaires. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a Guise FR dans le chat, par exemple, qui dit « Eh oui, Rémi, tu mets de l'eau à 10 degrés, de l'eau à 20 degrés, t'as de l'eau à 30 degrés. Ouais. » Non, mais c'est... Après, moi, je ne suis pas médecin, donc je fais confiance aux professionnels. Donc, on est sur quelqu'un qui... Autant, bien évidemment, je serais une pompe à vélo de lui dénier les compétences en tant que médecin généraliste, qu'on soit bien d'accord, mais comme Martin Blachier lui-même l'avait reconnu, l'emballement médiatique fait que, effectivement, avec l'envie d'être toujours au premier plan et sous la lumière, on en vient à dire des conneries, dont acte, en vérité. Et donc, voilà, on revient à la séquence. Donc, c'était aujourd'hui, hein, ce 30 mai 2023. Donc, cette dame qui raconte ce qu'elle a vécu. L'autre qui a un sarcasme d'abruti, je me permets, parce que je trouve ça, en tant que médecin généraliste, avoir un tel sarcasme quand une dame vient raconter. Alors, effectivement, la dame, elle n'a pas fait l'académie de médecine, ça, on est d'accord. Mais elle a juste perdu son mari, en fait. Donc, on peut avoir un petit peu de respect, de dignité. Voilà. Je vous mets la suite de la séquence. J'ai envie de me donner 3 jours à vivre. 3 jours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai signé une décharge, je suis partie. Je suis allée voir mon médecin. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Chantal, va à l'institut. Je suis allée. J'ai fait la panoplie du professeur Raoult. On y est, on y croit. Mais nous, quand on l'a vécu, on est obligé d'y croire. Parce que moi, il m'a sauvé la vie. Et les docteurs, les pneumologues, et tout y quoi, dans les cliniques privées, les hôpitaux, ils me voyaient mourante, 3 jours à vivre. Mais vous vous rendez compte? Ça fait 1 an et demi que j'aurais dû mourir. Allez, depuis 1 an et demi, je suis toujours là. Visiblement, ça va mieux. Peut-être que Chantal est morte sans le savoir. Oui. Moi, je vous le dis, j'ai une pêche d'enfer. Regardez ce salopard. Regardez ces salopards. Je refuse de croire en le petit mot sympathique. Tu vois, les mecs ricanent comme vraiment des salopards qui se moquent là. Dans leur studio, et je parle d'attitude de salopard, je parle pas de l'humain en tant que tel. C'est pas une attaque à dominer, mais regardez cette attitude, ça le fait ricaner, en fait. Une dame qui témoigne qu'elle a apparemment frôlé l'amende après les diagnostics qu'on lui a donné, tout ça. On commente la situation. Et le mec, ça le fait ricaner. Tu vas dire, ça va mieux. Et c'est pas fini. Et il y a des marres, vous savez aussi bien que moi, moi, je vous le dis sincèrement, ma fille est militaire. Elle lui a fait les 3 vaccins du Pfizer. À 38 ans, ma fille a fait un AVC.
Et c'est pas la seule. Croyez-moi que c'est pas la seule. Moi, j'étais contaminée par ma nièce qui venait du Nord. Elle est pour nous, elle est arrivée là. Nord. Elle avait le Covid, elle nous l'avait même pas dit. Et le mec, ça le fait marrer cette ordure là. Ça le fait marrer, les gens du Nord. Ça les fait marrer, mais regardez le niveau après François Braun, pour qui il faut tourner la page, eux, ça les fait ricaner, en fait. Mais vraiment, le niveau ultime de la saloperie médiatique, quand vous vendez un concept d'émission à la con, où vous dites, bah, nous, on parle au vrai peuple, pour mieux se foutre de la gueule de ce peuple, en fait, qui vous met face à des constats de la vie, des constats de la vie réelle, qui ne sont pas les constats, effectivement, des experts santé BFM TV qui font de la médecine depuis 2 semaines, parce qu'ils ont regardé C'est pas sorcier, et ils peuvent donner des leçons à des spécialistes. Et le mec, ça le fait rire, en fait. Il dit, ah, les gens du Nord, et il ricane cet abruti, tu vois. Et c'est pas fini. Tu vois, je suis déjà chaud. Mais c'est les gens du Nord, faut pas leur faire confiance. Non, je voudrais pas qu'on me coupe parce que M. Marty, il est bien gentil. Mais quand je l'entends, il me fait monter la tension. Alors, elle va encore monter. Prenez quelque chose parce que je vais vous répondre. Non, je vais boire un bon verre d'eau fraîche. Voilà, prenez un bon verre d'eau fraîche. Vous prenez de la chloroquine. Trempez-y les pieds peut-être, ça vous fera du bien. Non, mais franchement, c'est ahurissant. Madame, on n'est pas dans de la religion, malheureusement, et on est dans de la science. Oui, donc vous me dites, laissez-moi juste vous répondre très calmement. Vous me dites, il a guéri 20 personnes d'une famille, je l'ai vu. Je vous rappelle que fort heureusement. Alors là, attention. Petite pause. Déjà, on a les ricaneries d'abrutis médiatiques de ces messieurs. Donc, comme dirait Eric Cantona, je me contente de citer les grands poètes, je leur pisse au cul. Voilà. C'est pas moi, c'est Eric Cantona. Donc, je le laisse responsable de cette déclaration. Mais l'attitude qu'on voit, avoir une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules et recevoir des gens, à des gens du quotidien, voilà, on l'a dit, hein, ils ont un accent, hein, ça parle pas très bien. C'est sûr que ça n'a pas un diplôme de médecine. Mais venir leur ricaner au nez, comme ça, les inviter pour mieux se moquer d'eux, c'est un truc, je vous avoue, où j'ai quand même tendance à perdre un petit peu mon sang-froid sur ce genre de choses. Parce que sinon, si t'aimes pas la notion de grande gueule, tu fais une émission qui s'appelle L'entre-soi avec des connards en dimanché sur RMC. Tu vois. Par exemple, c'est plus cohérent sur ce qui est réellement proposé. Parce que si quand t'as des vraies grandes gueules, donc en l'occurrence pas eux, bah tu te moques d'eux, mais en fait ça va pas quoi. En fait c'est ton nom d'émission il va pas, autant changer, tu vois. Par exemple quotidien sur le papier ça s'appelle vegan carencé qui rigole devant des faits de pédocriminalité, tu vois. Par exemple ça c'est plus cohérent, tu vois. Et donc là attention, là on va assister à une cascade, voilà, c'est pour ça que je préviens. Ce qui va se passer sous vos yeux. Nous sommes le 30 mai 2023. Pourtant, je suis d'excellente humeur après cette tournée triomphale avec l'ami Stéphane Cuvelier. Ce que vous allez voir est ce qu'on appelle une forme de sodomie mentale qui s'appuie sur 3 ans de propagande sanitaire qu'on peut qualifier d'excessive. Après, voilà, hein, il y a débat. Je salue Primum non nocéré pour en discuter. D'ailleurs, je serais ravi d'avoir son avis sur la déclaration de Dr Marty, qui lui a prêté le serment, hein, bien évidemment, le serment d'Hippocrate. Et vous allez voir ce que nous dit le Dr Marty face à cette dame qui explique que, eh ben, voilà, elle a suivi les recommandations du Dr Raoul, qu'elle s'en est sortie. C'est un témoignage, vrai, pas vrai, voilà, c'est quand même le but de cette putain d'émission. Et voilà ce que nous dit Dr Marty, nous sommes le 30 mai 2023, pour répondre à cette dame. Et Marty, hein, tout malin qu'il est, espère enfoncer le clou dans son match face au professeur Raoult. Ce que vous noterez, hein, que là, ils sont repartis en croisade contre le professeur Raoult, une histoire d'essai sauvage apparemment qui aurait été menée. Le Monde, hein, dans son édition d'aujourd'hui, a fait un supplément santé où il parle de ça. Le Journal du Dimanche en parle. Ils sont tous repartis en croisade contre Raoult. Alors que, bon, l'étude, si tant est que ce soit le cas, a eu lieu il y a quand même un paquet de mois, pour ne pas dire d'années. Et ils sont repartis, on ne sait pas pourquoi. Et voilà ce que nous dit Marty à cette dame. C'est une pathologie dont 99,5% des gens guérissent seuls. Seuls. Donc quand vous dites, il nous a guéri avec l'hydroxychloroquine, excusez-moi, mais ce qui guérit, c'est juste votre organisme qui lutte contre la Covid. Alors après... Alors, ce qui est formidable, on fait un petit arrêt quand même, le monsieur découvre l'immunité. Voilà, l'immunité. En fait, 99,5% des gens, pour le docteur Marty, ont guéri grâce à leur immunité, à l'immunité naturelle du corps et à sa capacité à se défendre. Et c'est quand même bluffant, parce que ce monsieur est dans une...
Je l'interprète comme ça. Après, je suis pas dans sa tête. Peut-être qu'il voulait dire autre chose et que les mots qui sont sortis sont différents. Je pense qu'on aura des fact-checkers qui seront prêts à trouver toutes les bonnes excuses. Peut-être que son café était trop corsé. Il avait un ristretto, il voulait un allongé, la tuile. Je sais pas. C'est une interprétation parce que moi, je suis pas médecin. Donc, hein, bon. Et on sait pas pourquoi. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que le mec découvre en direct le principe d'immunité et on sent qu'il est dans une telle croisade qui dépasse la notion de débat scientifique, qu'on soit bien d'accord. Il est dans une telle croisade face au professeur Raoult qu'il est prêt à déboîter la politique vaccinale du gouvernement depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il ne tremble pas de la couille une seule seconde, en fait. Le mec te dit ça, normal. 99,5% des gens se sont démerdés comme ça, avec l'immunité. Le vaccin, bubule, on ne sait pas. En fait, c'était parce que c'était joli. Voilà, 3, 4, 7 doses. C'est monstrueux, c'est comme François Braun. On est dans la même logique. Ces gens-là ont contribué à un état sanitaire autoritaire qui a fait basculer nos sociétés dans quelque chose qu'on ne pensait pas revoir à notre époque. Je ne vais pas faire de comparatif que je trouve idiot avec d'autres périodes de l'histoire, mais ils ont fait glisser nos sociétés dans des états, c'est même pas une forme de dérive, parce que c'était installé, ça a été, c'est mûrement réfléchi. Genre, ces outils-là, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait des conseils de défense, ces outils-là n'ont pas été mis en place comme ça parce qu'ils ont eu une idée. Heureusement que d'ailleurs qu'ils ont mûrement réfléchi à faire ça, en espérant, on croise les doigts, que c'eût été efficace. Donc ces gens-là ont accouché de ces sociétés autoritaires où votre voisin appelez la police pour vous dénoncer parce que vous étiez dans votre jardin sans masque ou que vous promeniez le chien à 1 km de chez vous. Il faut quand même se rappeler de ce qu'on a vécu. Et les mecs déboulent sur les plateaux en disant, alors pour François Braun, là, le barbapapa de la picouse, ah ouais, non mais en fait, faut tourner la page. Hein, y a quand même les JO qui arrivent, c'est sympa le tir à l'arc. Non, en fait, François. Parce qu'il faut quand même se rappeler que si la démocratie était réellement respectée, si la loi était réellement respectée, ta place serait derrière des barreaux. Voilà. Potentiellement, je ne veux pas rendre la justice avant que ce soit le cas, mais d'ailleurs, quand il y a eu des tentatives de rendre justice, hein, Buzyn poursuivi pour refus de combattre, c'est quoi le truc, le terme exact, vous l'avez sûrement dans le chat. Question en bas de chez vous, abstinence de combattre, hein, je ne sais pas quoi. Ah, je l'ai plus, putain. Celui qui me dit dans le chat, il gagne un emoji Rémi Winehouse. Ça, c'est pareil. Ça, c'est... Ouais, mais je sens que ouais, les gens ne l'ont pas. C'est abstinence de combattre, hein. Un quelque chose. Alors, il y en a qui disent désertion. Effectivement, il y a Dolphy Lalimas qui est motivé. Un sinistre. Merci à Mister Serizawa76. Bien joué, voilà. Abstention de combattre un sinistre, c'est ça. C'est tout à fait ça. Tu remportes, je l'ai promis, je le dis. Je tiens mes promesses. Tu remportes l'emoji Rémi Winehouse et ça, c'est pas rien, tu pourras le dire à tes enfants plus tard. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, déboulent Truffaut vent et en disant non, mais pff, voilà, en fait, finalement, voilà, l'ami Marty, hein. En fait, c'est grâce à l'immunité qu'on s'en est sorti. Hein, pour citer Gabriel Attal, pareil, golden pompe à vélo, hein, le vaccin, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'immunité. Tu vois. Ah ben oui, voilà, on a eu droit à ça, c'est-à-dire que la gravité a côtoyé la guignolerie pendant tous ces mois-là. Et avec aux manettes des gens qui avaient encore du lait maternel au coin des lèvres. Tu vois. Le mec a 28 ans, t'as jamais travaillé de ta vie. La dernière fois que tu as vu un bleu de travail, c'était sur Netflix, et tu viens faire des blagues, en fait, alors que les gens meurent et que ça te fait rire. Et aujourd'hui, ces gens-là viennent vous voir et vous disent « Non, mais on s'en bat les couilles, en vrai. » Il y a un peu de ça. Il ne peut pas le dire, parce que c'est à l'heure de grande écoute. Mais c'est n'importe quoi. Et on continue, parce que c'est pas fini. Alors après, attendez, madame, juste je vous réponds. Alors après, quand vous avez des pathologies associées, quand vous êtes âgé, etc., il peut y avoir des risques. Et puis surtout, quand on observe uniquement les préceptes du professeur Raoult, à savoir ça passe par les mains et qu'on ne surveille pas sa saturation, quand on sait que c'est une pathologie qui, au contraire, est éminemment aérosolisée et qui va impacter le tissu pulmonaire, ben là, on risque effectivement de s'aggraver. Et puis surtout, quand on ne se vaccine pas, alors vous me dites, ma fille a fait un AVC, mais madame, chaque année, il y a des AVC, c'est ce que je non, vous donne, non, ce que non, je non, vous... Non. Ce que j'espère, madame, je vous réponds juste. Je vous réponds juste. C'est un peu facile. Ce que j'espère, madame, c'est que déclaration a été faite. À ce moment-là, il y a une enquête qui va être faite par la pharmacovigilance. Et là, on déterminera s'il y a corrélation ou causalité.
la corrélation étant ce qui arrive après la vaccination, la causalité étant l'effet prouvé de la vaccination sur la pathologie secondaire. Oui, docteur Martin, il n'y a pas eu, si tu pour l'instant, juste je termine, pour l'instant, il n'y a pas de cas de causalité prouvée. Si tu veux être de bonne foi, moi je voudrais dire quand même quelque chose. Si le docteur Martin veut être de bonne foi sur ce sujet, tu sais combien c'est parfois très long. Faire reconnaître la causalité entre un effet toxique d'un médicament et ce médicament, y compris judiciairement. Et tu sais, parce qu'on l'a vu dans Servier, où on a vu que les laboratoires Servier s'étaient comportés d'une absolument abominable Et, je dis pas le contraire. Et criminelle. Voilà, donc on va mettre les choses à plat. Parce que docteur Marty, qui la victime d'un élan masturbatoire médiatique depuis 2 ans et qui vient se branler sur le plateau qu'il accueille en disant « je suis médecin, je sais de quoi je parle », est en train de prendre une fessée tout nue par Charles Consigny, dont le principal fait d'armes est de s'être moqué de Stanislas Guérini il n'y a pas longtemps. Sinon, voilà. C'est-à-dire que Charles Consigny, son rapport avec la médecine, peut-être qu'un jour il a couché avec une aide-soignante, j'en sais rien. Mais quand on voit Marty prendre une branlée et reconnaître que Consigny a raison de le remettre à sa place, là encore, symboliquement, le narratif s'écroule. C'est-à-dire qu'on a ces gens-là qui ont été imposés médiatiquement et qui en ont joui, pour parler comme roi de Branco, qui ont joui de cette présence médiatique pour poser comme ça une forme de respectabilité, de dire, ben voilà, je suis dans les médias, donc ma parole vaut quelque chose. Mais ta parole vaut quelque chose comme les talons d'une pute sur un trottoir. C'est-à-dire que ta valeur vient du rôle que les gens t'attribuent en passant devant toi. Mais ça aurait pu être Marty, docteur X, docteur Y, professeur Z, c'était la même chose. Il fallait des têtes utilisées par les médias et par ricochet par le gouvernement pour imposer des messages. Donc, Marty, prêt à tout pour aller au bout de cet élan prostitutionnel, et il peut dire tout et son contraire. Il peut prendre une fessée par un mec qui n'a rien à voir avec le monde de la médecine. Il s'en fout parce que le combat n'est plus là. Le combat n'est plus là. C'est de continuer à assurer, et dans un élan égotique qu'on peut comprendre, pour le coup, qui est humain. Quand on goûte comme ça à des choses interdites, le succès, la reconnaissance, l'argent peut-être, je ne sais pas s'il prend des cachets pour ses émissions, j'imagine, mais je ne veux pas je peux pas l'affirmer, je ne sais pas. Mais on a envie de conserver ça. On a envie de conserver ça. Donc, à la limite, je peux comprendre. Mais sauf que là, voilà, l'exception près, qu'on touche à la vie des gens. On touche à la vie des gens. Et ce mec-là, on va se remettre la séquence, parce que c'est important de comprendre symboliquement ce à quoi ce mec est prêt. C'est-à-dire qu'il se targue de sa qualité de médecin pour mieux prendre une branlée par Charles Consigny. Mais en fait, t'es une pompe à vélo, du coup. T'es une pompe à vélo, parce que, ton garagiste, quand tu lui demandes des conseils, c'est en qualité de garagiste. Si un jour, tu déboules avec ton neveu qui a 8 ans et qui lui dit « Ouais, mais en fait, la soupape, faut pas la mettre comme ça. » Et le garagiste, il dit « Ah ouais, d'accord. » Ben en fait, tu doutes un peu de toutes les réparations qui ont été faites. Ben là, c'est la même chose. Donc, on va se remettre, là, cette séquence de 1 minute qui est extrêmement importante. Et qui va impacter le tissu. Madame, chaque année, il y a des AVC. Ce que je vous dis, ce que j'espère. Madame, je vous réponds juste. Oui, c'est un peu facile. Ce que j'espère, madame, c'est que déclaration a été faite. À ce moment-là, il y a une enquête qui va être faite par la pharmacovigilance. Et là, on déterminera s'il y a corrélation ou causalité. La corrélation étant ce qui arrive après la vaccination, la causalité étant l'effet prouvé de la vaccination sur la pathologie secondaire. Docteur Martin, Pour l'instant, il n'y a pas de cas de causalité prouvée. Si tu veux être de bonne foi, Voilà, le mec se fait latter la gueule. Le mec se fait latter la gueule avec un raisonnement, mais franchement, ridicule. Même sur le plan sanitaire, de dire tous les ans, il y a des AVC. Est-ce que vous diriez ça à un fumeur qui fait 3 paquets par jour, lui dire, bah, tous les ans, il y a des cancers. Ce serait absurde. Ce serait nul et non avenu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des campagnes très importantes de prévention sur la cigarette, parce qu'il y a des liens. Alors après, oui, effectivement, quelqu'un qui arrive avec un cancer de la gorge, peut-être qu'il y a eu d'autres facteurs, son alimentation, s'il vivait en ville, donc à cause des bagnoles, on n'en sait rien. Mais on peut imaginer que la cigarette y est pour quelque chose, mais qu'il y a d'autres facteurs. Et là, le mec de boule te dit, non, mais en fait, le vaccin, ça va, tu vois.
c'est on n'y est plus là. Là, on n'y est plus. On a paumé les pédales. On va continuer un petit peu la séquence juste après la branlée de consigné à Marty. Où s'est fait administrer tel ou tel vaccin et sont un certain nombre importants les mêmes, à ressentir un effet secondaire. Mais je te réponds très facilement. Toute la question est de savoir quand tu as vacciné 70% d'une population. Dans ces 70% de la population, tu as la même proportion d'infarctus, d'AVC, etc. que dans la population non vaccinée. Est-ce que dans ta cohorte de vaccinés, tu as plus d'infarctus et d'AVC ? C'est toute la question qu'il faut se poser. Oui, en l'état actuel de la science, il n'a pas été prouvé que tu avais plus d'infarctus dans la population vaccinée. Parce qu'ils ne sont pas allés chercher le fameux vaccin. Tu en as beaucoup, pourquoi ? Mais non, mais tu en as beaucoup, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait d'études sur ça, parce que ça ne m'intéresse pas de mettre en avant qu'il y a un effet de cause à effet entre le vaccin et certaines réactions. Mais c'est pas vrai, comment tu peux dire ça ? Tu as les autorités indépendantes, mais tu as la chance d'être dans un pays où tu as les autorités indépendantes qui font que ça. Il n'y a aucune étude qui est sortie. Tu as une ALSM, tu as... Mais bien sûr que si. Il y a eu l'affaire du médiateur dans le semestre. Je suis désolé. Et plus maintenant, justement. Maintenant que on a mis en place un tas de verrous par rapport à ça. Oui, mais le c'est très simple. Tu as vacciné plusieurs. Tu as vacciné X millions de personnes dans un pays. Dans cette proportion-là de patients, est-ce que les étudiants sont plus nombreux qu'ailleurs ? Est-ce que je peux te poser une question ? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite de la même manière que tu viens de nous annoncer ? Sur les gens qui ont été vaccinés avec pathologie ou sans pathologie, sur les effets secondaires ? Non, sa fille, on en parlait tout à l'heure en off. 8 mois, elle n'a pas eu de goût. Il y a des gens qui ont des effets secondaires. Ça s'appelle un Covid long. Oui, mais le Covid long. Ça s'appelle un Covid long. C'est des effets secondaires qui sont aussi. De la Covid du... Non. Mais pas du vaccin. Mais non, tu me laisses tout. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? Mais parce que dans le vaccin, il ne te reste rien à l'organisme. Rien. Trop facile. Mais moi, je n'ai pas eu d'études. Mais non. Trop facile. C'est un naufrage. C'est un naufrage. Sincèrement, c'est un naufrage. Et là encore, hein, je le dis en toute humilité, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, alerte Julien Pain, alerte Primum, je ne suis pas médecin et tout ça, hein, mais presque ce que je vous dis, je le pose sous l'angle de la question, voilà, et je laisse le soin aux spécialistes de corriger. Mais là encore, comment peut-il dire qu'il ne reste rien du vaccin ARN messager dans la mesure où c'est la première fois qu'on l'utilise à telle échelle sur l'humain et que... Sauf preuve du contraire, le docteur Marty ne vit pas dans le futur. Donc comment sait-il qu'il ne reste absolument rien à 10 ans, à 20 ans et puis à la limite qu'il ne reste rien de l'ARN messager du vaccin, ok, mais est-ce qu'on peut évaluer par exemple les impacts par ricochet dans l'organisme ? Peut-être sur l'ADN, peut-être sur d'autres éléments physiologiques. Qu'il ne reste pas d'ARN messager, c'est une chose, mais comment cet ARN disparaît ? Est-ce qu'il va nuire à d'autres aspects physiologiques ou est-ce qu'il disparaît dans l'urine, dans la sueur ? Là, je fais appel aux spécialistes, hein, aux fact-checkers. Moi, je ne suis qu'une merde. Hein, Rudi Rechstadt me l'a bien rappelé. Mais c'est vrai que là, c'est un naufrage. C'est franchement un naufrage du docteur Marty qui est... Et comme je vous le dis, qui est paumé. Et en fait, son combat n'est pas celui de la science. Son combat n'est pas celui de la science. Je veux bien, si vous voulez, respecter tout ce qu'il veut et tout ça. Mais tout comme quand il disait qu'on avait des milliers d'années de recul sur le vaccin, là, on est dans la défense d'une posture médiatique, ce qui n'a rien à voir. Et donc, ce mec peut être garagiste, médecin généraliste ou astronaute. Il peut dire la même chose. Moi aussi, je peux vous dire ça. C'est absurde. C'est absurde. Donc là vraiment, on voit quelqu'un qui défend une posture médiatique, c'est tout. Ça n'est plus un médecin. Ça n'est plus quand il s'exprime comme ça, ça n'est pas un médecin. Ça n'est pas un médecin généraliste. C'est terrible. Mais voilà, on continue. Mais limite, ça me fait de la peine de voir ça en fait, de voir quelqu'un s'accrocher aux miettes qu'il a pu grappiller pour plaisir d'avoir sa gueule dans les médias. Il est prêt à toutes les contradictions. C'est la victoire du macronisme sur les esprits, c'est hallucinant. Il faut dire pour nos auditeurs, parce que c'est important, il y en a plein qui sont inquiets. Ce que je regrette, c'est que 3 ans après, on laisse Agnès Buzyn tranquille. 10% des cas de Covid donnent des Covid longs. 10%, c'est fini. Buzyn, elle a été poursuivie en justice, mais elle s'est très bien défendue. Oui, avec un très bon avocat le plus cher de Paris. C'est fini, et je remercie Patricia d'avoir été avec nous. Merci Patricia. Non, Chantal. Chantal, je vous salue. Mais en plus, ce trou du cul, il connaît même pas le prénom de son auditrice. Ah, ça me rend fou.
Non, mais ça me. Et d'ailleurs, je m'excuse pour le trou du cul, parce que déjà, c'est pas sympa pour les anus, c'est parce qu'en plus, on n'insulte pas les gens. Donc, je vous prie de m'excuser, mais ça me sidère. Franchement, ça me sidère, sans déconner. Mais voilà, le naufrage de ces personnages médiatiques, rendez-vous compte, hein, même Martin Blachier a la décence aujourd'hui de disparaître. Vous noterez qu'il y a eu le dernier épisode, et je pense que c'était voilà, vraiment le dernier, qu'il n'y en aura pas d'autres, mais Martin Blachier, on n'a plus de nouvelles. C'était probable. Et donc voilà, voilà comment ça termine. Voilà comment. Regardez, hein, même sur son compte Twitter, hein, je suis dessus. Hein. Dernier tweet, le 1er avril, et c'est pas une blague. Hein, on est le 30 mai. Ils ont disparu de la circulation. Mais parce que voilà, parce qu'on y est. On y est. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Et là maintenant, quand vient l'heure du service après-vente, il n'y a plus personne. Ils ont plié les Gaules. Ils ont plié les Gaules en ayant pris assurément du pognon. Ça me semble probable. Et voilà. Voilà. Est-ce que c'est une surprise? Vous savez que j'aime pas ça. Je ne vais pas vous jouer la posture de... J'avais tout dit avant tout le monde, parce qu'en plus, de toute façon, c'est pas vrai. Mais voilà où on en est. Voilà le niveau de ces gens-là. Voilà le niveau d'engagement, de dignité de ces gens-là. Regardez même les autres. Hein. Les autres figures médiatiques du Covid, on pourrait qualifier de pro-Covid, disons. Elles sont où, toutes ces figures-là? On a plus de nouvelles. Manigold, c'est léger. Mais lui, encore bon, son métier au départ, c'est de faire des cordons bleus. Donc voilà. On avait qui? On avait... Ainsi, celui avait la tâche, là. Pas un ancien qui ressemblait à Pierre Rabhi, je ne sais plus. Lui, on ne le voit plus. C'est Dominique Costagliola. On n'a plus de nouvelles. La costaud, je peux me moquer, on est gaulé pareil. On n'a plus de nouvelles. Emmanuel Wargon, alors à part 3-4 tweets, quand il sort du PMU, on n'a plus de nouvelles. Ils sont où, ces gens-là? Parce que d'un côté, le Covid est toujours là. La prudence est nécessaire. Et de l'autre, on ne les voit plus. Karine Lacombe, elle est où, Karine Lacombe? Qu'est-ce qui se passe, Karine Lacombe? Ils sont où, ces gens-là? Donc, au bout d'un moment, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et ces gens-là ont fait ce qu'on attendait d'eux. Il y a quelque chose de l'ordre du mercenaire intellectuel. Je viens, je dynamite, je disparais. Et voilà. Et ça se passe comme ça. Et ceux qui sont obligés de rester au front, parce qu'ils sont dans l'état-major, François Braun et compagnie, ils vous disent « Ouais, mais il faut tourner la page, en fait. » Pour tourner la page, tu vois. Mais est-ce qu'on se rend compte que... Je ne veux pas prendre d'exemple galvaudé sur des périodes historiques, parce que ce serait absurde, puis je n'ai pas très envie d'un point Godwin aujourd'hui. Mais par exemple, la crise du sida. Est-ce que vous voyez dire à des gens qui ont perdu des membres de leur famille ou des proches du sida, leur dire « Ouais, bon, faut tourner la page. » En vrai, quand même, Freddie Mercury, c'était cool. Mais on ne peut pas dire ça. En matière sanitaire, on ne peut pas dire ça. Quelqu'un qui perd un être cher du cancer. Vous avez un François Braun qui était urgentiste. Vous avez un Manigold qui est docteur... Un Marty qui est docteur généraliste et qui déboule dans votre chambre une semaine après. Ouais, ça va, en vrai. Hein, l'héritage, ça part à Marbella, non? C'est-à-dire, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Donc, ces gars-là se planquent. Ces gars-là se planquent. Je veux dire, j'aurais du respect, malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce qui a été fait, pour ceux qui se pointeraient aujourd'hui dans les médias et qui diraient, bah, aujourd'hui, on ne sort plus les trompettes. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Je ne demande même pas, on s'est planté. Tu vois. Je ne demande même pas à mea culpa, parce qu'en l'état, on n'a pas plus de preuves. Il n'est pas possible aujourd'hui de dire on est sûr qu'on s'est trompé. C'est tout le problème de la situation. J'aimerais juste que ces gens-là viennent et disent effectivement, on en a peut-être trop fait. Peut-être qu'on ne savait pas, qu'on ne sait toujours pas assez. Là, franchement, j'aurais... Ok, casquette, ok. Peut-être qu'il y a eu des trucs pas ouf, que vous êtes comporté pas dingue, mais on n'a plus de nouvelles. Mais là, vous donnez des nouvelles, et ok, il y a quelque chose. C'est les conneries, et t'as raison, Marie, dans le chat qui dit ça. Même Véran, effectivement, Véran, aujourd'hui, le mec, il est passé de expert numéro 1 sur l'épidémiologie à porte-parole cagole du gouvernement, tu vois. Même lui ne s'exprime plus du tout là-dessus. Donc, ce côté mercenaire me fait très peur. Par contre, et c'est vrai que j'ai vu hein, dans le chat... des gens qui parlent de ça, l'OMS qui parle d'une éventuelle pandémie en juin, je sais pas quoi. Là, par contre, si ça repart et que les gens replongent à 3 ans d'intervalle, là, par contre,
on va pas se mentir, pour juste milieu, sincèrement, c'est une aubaine hein, ce qui se passe. Je vais pas vous mentir, les copains. Nous, vous savez, on parle d'actualité quand il y a des sujets comme ça, bah voilà. Nous, ça roule. Mais quand on voit les dégâts que ça a fait sur l'ensemble de la société, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Donc, j'en appelle franchement à la mémoire des gens, quels que soient les bords, quelles que soient les convictions, faites ce que vous voulez. Mais là, franchement, ça part en las cacahuetas. Voilà. Je le dis, j'ai pas peur. Les métaphores apéro. Donc, voilà, les copains, on se retrouve. Hein, on se retrouve en fanfare. On se retrouve en fanfare tous ensemble. La FAB 72. Alors, je vais essayer de te retrouver des extraits. Je sens que tu es motivé sur Laurent Alexandre. J'ai pas vu la séquence. J'ai pas vu, gourmand. J'ai pas vu. Alors, tu me dis que c'était chez Pascal Pro. Parce que moi, j'ai du truc sur Twitter chez Laurence Ferrari. Ça doit être plutôt chez Laurence Ferrari, non? Dites-moi les séquences, hein, parce que j'ai pas vu encore. Hein. Donc. C'est quoi? C'est sur quoi les propos où ça t'embête, camarade? Il y a SebSeb7660 qui dit Charlotte Dornella, ça fait un mea culpa. Alors attends, je vais chercher aussi sur quoi elle a fait le mea culpa. Je cherche avec vous, les gars. Je regarde des trucs avec vous. C'était quoi? Elle a fait quoi? Sur Edwin Plenel. Là, c'est sur assurance maladie. Là, c'est autre chose. Nanana. Merci à Jujukai qui vient de se prendre 12e mois. Merci beaucoup, cher ami. Là, c'est le harcèlement scolaire. Je retrouve pas son truc. Hein. Je vois pas de quoi vous parler. J'ai rien là, les cops. J'ai rien là-dessus. Alors, vous... Merci à Poney des Ténèbres qui vient de se prime aussi. Merci beaucoup. C'était face à Gérard Leclerc. Alors attends, sur les injections. Je cherche avec vous, tu vois. C'est du sérieux. Hein. Leclerc. T'es Leclerc aussi. Attends. Si quelqu'un. Hein, Pascal Pro ce matin. Ah oui, ça a l'air d'être ça. La question est de savoir, un, pourquoi j'ai pas est-ce qu'on a fait se vacciner toute la population pour éviter la transmission à la base ? De notre j'ai débat rien, là aujourd'hui. La question est de savoir, un, ah, mais c'est dans mon casque. Est-ce qu'on a fait vacciner toute la population ça y est, pour éviter le sujet de notre débat là aujourd'hui. La question est de savoir, un, est-ce qu'on a fait se vacciner toute la population pour éviter la transmission oui. par erreur puisqu'elle ne l'empêchait pas. Oui ou non, répondez, c'est toute simple. Toute la population en fait. N'a pas été vaccinée jusqu'à preuve du contraire. Non, mais est-ce que c'était, bah est-ce non. que c'était rendu on obligatoire on l'a jamais rendu obligatoire, oh le vaccin. Bon, allez, c'est vrai, il n'a jamais été rendu obligatoire. Parce qu'il y a des gens, qui ne sont pas vaccinés. Alors, il y avait y compris des personnels médicaux qui n'étaient pas vaccinés. Ça, on en a suffisamment parlé. Donc, il n'y a pas d'obligation du vaccin. On ne pouvait plus voyager. Quand tu fais un pass sanitaire, arrêtez, Gérard. C'était l'obligation de faire. Terminé, Charlotte. Outre l'obligation, ma question est simple. Est-ce que oui ou non, l'appel à la vaccination se faisait sur la question de la transmission ? Protéger les autres, est-ce que c'était ça le slogan, oui ou non ? Oui. Et ensuite, on s'est rendu compte. Oui, c'est parce que ça protège des personnes. Est-ce que précisément sur ce sujet, on s'est trompé ? Je dis même pas qu'il y a eu mensonge. Est-ce que oui ou non, on s'est trompé ? Oui, il y a eu des... On ne s'est pas vraiment fondamentalement trompé. Simplement, sur le vaccin, avant même qu'on ait tous les résultats... Un bon programme. Moi, ce que j'attends, c'est la conclusion de votre discours. C'est quoi ? Il ne fallait pas vacciner ? Détendez-vous, déjà. Non, mais dites-moi. Et en plus, le mec monte sur ses grands chevaux. Oh, putain, j'avais pas vu cette séquence, les copains. Alors que, laisse tomber. Laisse tomber, quelle folie. Les amis, je vais vous dire un petit truc, je vais vous abandonner, je retrouve Madame Milieu, je ne l'ai pas vue, mais oui, avant le spectacle, je vous ai vu, vous, avant Madame Milieu. Si ça, c'est pas de l'amour. Voilà, les amis, alors franchement, honnêtement, je suis heureux, vraiment très sincèrement heureux de vous retrouver, les amis, pour le Juste Bistrot, de passer ces moments-là avec vous. Je peux vous dire que, et on finit là-dessus aujourd'hui, j'ai passé franchement des moments incroyables au théâtre, voilà, les premières parties avec Stéphane,
à vous rencontrer, voilà, des spectateurs de Juste Milieu. J'ai une dame qui est venue avec un exemplaire du banquet, j'ai pu lui signer, on a pris plein de photos, c'était fou, franchement c'était fou, je peux vous dire, je suis rechargé, j'étais un petit peu dans le dur là, avant tout ça, un peu malade et tout machin, là je suis plein gaz, je suis à fond la forme, je vous dire les amis, ça repart à fond pour vous, pour nous, pour l'aventure qu'on vit avec Juste Milieu. Donc parfois on s'emballe, il y a des gros mots, c'est la folie, on s'empoigne, mais voilà, on garde la banane et on est tous ensemble, on est toujours plus nombreux, c'est un truc de fou, et je le redis, maintenant que vous êtes plus de 500 là en direct, il y aura le spectacle, je suis très heureux de vous l'annoncer, et on fera une vidéo, une fois qu'on sera bien avancé, qu'on aura un petit peu de la logistique sur les dates et tout ça, le spectacle Juste Milieu arrive pour la fin de l'année, les amis, voilà, le spectacle arrive, c'est fait, j'en ai parlé autour de moi, on est en train de s'organiser, c'est fait, voilà, octobre, je pense surtout novembre, il y aura des premières dates du spectacle Juste Milieu, donc spectacle de un one-man show, comme on dit, voilà, parce que l'idée, c'est de vivre ces choses-là aussi ensemble, c'est un rêve que je réalise, mais mon projet, c'est pas de faire une sorte de grosse vidéo améliorée, voilà, parler pendant une heure dans un micro et faire ce que je fais en vidéo, j'ai vraiment envie de vous surprendre, qu'on passe un moment, un chouette moment, j'espère, ensemble, et puis essayer, j'espère que ça va vous plaire, donc voilà, on y est, ça y est, ça avance à toute vitesse, et je vous tiens au courant, voilà, je pense qu'en novembre, on aura des premières dates. Donc voilà les copains, je suis trop heureux de vous dire ça. J'espère que vous serez là. J'espère que voilà, vous serez au rendez-vous pour cette aventure, les copains. On fera au mieux pour, voilà, avoir des salles le plus près de chez vous. On fera au mieux, mais on pourra peut-être pas être partout, promis, on fera comme on peut. Donc voilà les copains, très heureux de vous retrouver. Retour à fond la forme. Sur Juste Milieu, sur le Juste Bistrot, on est de retour partout, hein. J'ai vraiment repris du service ce matin, les copains, donc je vois vos messages sur Twitter, sur TikTok et compagnie, ça repart, donc on remet du gaz. Edouard et Marie ont géré ça de main de maître pendant la semaine où j'étais pas là, mais forcément ils peuvent pas faire des vidéos, hein. Ah ben, y a qu'une gueule comme ça dans le matos, hein. Tout s'est bien passé, mais il y a qu'une seule gueule, donc voilà, même avec des effets spéciaux, on n'y arrive pas, donc voilà, c'était au top, on y retourne à fond demain, c'est Farce Tranquille, demain c'est Juste Bistrot à 16h30, je pense qu'on sera un petit peu en avance, donc voilà, les amis, très heureux de vous retrouver, on continue, on garde la forme, gardez la banane, surtout, je vous embrasse très fort, je vous salue bien bas, à demain, les amis, vive la rigolade, et vive la France. Allez, bonne soirée. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu.